Le bar, sans doute le poisson le plus captivant de nos côtes. J'ai sillonné les multiples zones propices à sa présence pour essayer de le rencontrer. Le Cotentin m'a offert des paysages splendides et des spectacles de la nature vraiment magnifiques. Aujourd'hui, c'est le grand départ. Sur le papier, les conditions ne sont pas faciles avec un fort vent. De plus, la tempête Aurore vient de frapper ses côtes, il y a à peine 3 jours. L'objectif, c'est de prendre un poisson, mais surtout du plaisir dans ces paysages somptueux. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, voilà peut-être même le début d'une série de vidéos. Je pars dans le Cotentin à la recherche des bars. Je vais essayer de traquer les bars sur différents spots, essayer de trouver des spots. Voilà, donc je suis parti du Havre. Là, j'ai dépassé Caen, donc j'arrive dans à peu près 1 heure. Mais je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mes waders. Bon, ça fait un peu chier, mais bon, on va s'arranger. Ça n'empêche pas de ne pas prendre de poisson, de ne pas avoir de waders, mais ça va juste être un petit peu handicapant. Mais bon, on va devoir s'adapter, on va devoir trouver les poissons, on va devoir faire du poisson. J'espère toucher des jolis poissons. Et j'ai jamais dit autant de fois poisson dans une phrase. Enfin voilà, je vous laisse avec les images. Allez, bonne vidéo les gars. Les amis, donc tout à l'heure j'étais dans ma voiture, enfin du coup c'était tout de suite pour vous. Là je viens d'arriver, c'est sur un spot que vous connaissez je pense, parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce spot. Excusez-moi, il y a un peu de vent, les conditions vont être assez fortes je pense. Il y a du vent, c'est en bord de mer, donc on va voir ce qu'on peut faire. Si je vois que ça va être difficilement praticable, bah je vais décaler et je vais aller dans l'estuaire d'à côté, parce que j'ai l'avantage de connaître cette zone. Et demain on ira sur une autre zone, voilà. Allez, bon, j'espère que le spot va être praticable. De toute manière, je vais aller dessus et je vais faire quelques lancers. Et je vais voir si c'est possible de pêcher, c'est possible de pêcher tout simplement. Et sinon, je vais aller me réfugier dans l'estuaire. Dans l'estuaire, il y aura un peu moins de vent, ça c'est sûr. Mais la pêche sera sûrement plus technique. Donc, dans tous les cas, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça, j'espère... toucher du poisson assez facilement quand même. On va voir. Bon voilà les gars, ça souffle vraiment très très fort. Ça souffle vraiment fort. Mais la pointe que je vais pêcher, elle a pas l'air d'être battue par les vagues. Donc déjà je vais pouvoir aller dessus sans trop être mouillé. Et je vais voir si le vent ça empêche pas trop de pêcher. Là la mer a l'air d'avoir baissé quand même. Donc au pire des cas, je fais 2-3 lancers, sinon je vais dans l'estuaire. Sinon je vais louper la marée. Et ça va être un peu bête. Hop. Ça glisse. Je fais attention. Voilà, bon ici je suis tranquille. Je monte ma canne et on est parti. Voilà les gars, je vais mettre un matchad avec une tête plombée en 20 grammes. Je vais vraiment aller chercher les lancers les plus loin possible, essayer de transpercer le vent. Et de faire du bruit là-dedans. Parce que là ça bouge pas mal. Et j'ai envie de faire des vibrations. Bon bah voilà les gars, ça n'aura pas duré longtemps. J'ai fait 2-3 lancers, j'ai vu qu'il y avait vraiment des vagues vraiment énormes devant et il n'y avait vraiment plus beaucoup d'eau. Je pense pas que les bars soient dans cette situation. Donc du coup, je vais pas perdre plus de temps, je vais direct aller dans l'estuaire. Allez c'est parti, je vous retrouve dans l'estuaire les gars.
Ce sera malheureusement sans succès dans l'estuaire. J'ai donc pris la décision d'aller sur un nouveau spot, totalement inconnu, comme tous les autres qui suivront d'ailleurs. Mon voyage dans l'inconnu commence donc dès maintenant. Des vagues qui se cassent là derrière moi, je sais pas si vous voyez, et bah, je vais essayer de passer un coup de leur surface là dedans, un petit coup de leur surface, un petit coup de leur souffle en linéaire rapide, voir s'il y a des poissons qui sont vraiment postés au bord. Voilà, je vous reprends tout de suite. Voilà les gars, je viens de rechanger d'endroit, je me suis avancé un peu. La pointe où j'étais un peu reculé. Là je suis un peu plus directement dans l'eau. On va voir si j'arrive à toucher des poissons. Il y a de l'algue en tout cas. Il y a beaucoup d'algues. Peut-être pas de temps de surface pour éviter de ramasser. Poisson! Ah yes! Il est là le premier fish! Il est là! Oh, il m'a mis une touche d'enfer sur le Black Minnow et ça a l'air d'être joli! Oh, il est là le premier fish! Yes! C'est une vieille samba, je sais pas. En tout cas, c'est joli, c'est un joli poisson! C'est ce qui compte! Qu'est-ce que c'est comme poisson? Ok, c'est un bar! Superbe bar! Bon, là, il est dans les cailloux! Yes, je vais aller le chercher tranquillement. Ah, ça fait plaisir, je suis venu pour ça, bordel. Et il est là. Bon, faut pas que tu casses, mon frérot. Ok. Et voilà, il est là le premier poisson du séjour. Ah, yes, je suis venu pour ça. Ça, ça fait grandement plaisir. Yes, 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 yes. Ah, ça c'est un joli poisson en plus, ça c'est un poisson d'une 45 cm, 50 cm. C'est un joli poisson. Il a vraiment pris le Black Minnow, vraiment. Il a pas fait semblant dans les rouleaux comme ça. Voilà. Premier bar. Oh là, ça c'est un joli poisson en plus ça. Ça c'est un poisson en pleine forme. Beau poisson de bord de mer. Voilà, premier poisson du séjour.
ça fait vraiment très 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 plaisir. Voilà les gars, un joli poisson, vraiment. On va remettre ça à l'eau. Allez, plouf. Allez, vas-y mon gars. J'espère qu'il s'est... il a réussi à se frayer un chemin, normalement oui. Je vais attendre un petit peu pour être sûr, mais je pense que oui. Ouais, il est plus là. Non, normalement c'est bon. Là c'est bon, il y a assez d'eau, il a pu se frayer un chemin. Yes. Yes, yes. Ah, c'est bon ça. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment trop plaisir quoi. Yes. Yes, yes, yes. Allez, maintenant il faut faire du fish. Finalement, ce bar restera le seul et l'unique de cette journée. Place au lendemain maintenant. Là-dedans, il y a du poisson. Là-dedans, il y a du poisson. Là-dedans, il y a du poisson. Ah, c'est magnifique. Tu vas voir, premier lancer, je suis pendu. Entre pêche en surface, au lever du soleil sur un spot magique ou découverte d'une pointe mystérieuse, je vous donne rendez-vous prochainement pour le jour 2 de cette quête du bar dans le Cotentin.